Alors, ne dis plus près, hein, parce qu'elle a quitté. Allez, Arthur! Allez, comme constaté un peloton groupé. Voilà Team 94 dans les premières positions. Ça, on reconnaît bien. Tiens. Le leader, John Lamey, mais attention, celui qui était leader, absence le week-end dernier, mais Maxime Piron, voilà, qui voudrait bien remonter lui aussi, et remouvement de papa, le maillot des leaders à l'issue de cette étape, la chose à suivre. S'il vous plaît, au niveau de la buvette, merci. Alex profite de l'absence de ses parents pour pouvoir essayer de s'échapper. C'est l'habitude, il n'est pas autorisé. Mais là, il a le droit, il n'y a pas les parents. Oui, bah oui, parce que quand les parents ils sont là, mais non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Attends. Oui. S'il vous plaît, au niveau de la buvette, excusez-moi. Voilà, merci monsieur de bien rester sur les trottoirs. Allez, peloton groupé, madame Maillet, je vais vous donner les numéros pour l'instant. Tu as de la maille. Et Maxime Piron, on a Alex Brévent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Allez, Victor. Allez, mon gars. Allez, Victor. C'est bien. Accroche-toi. Accroche-toi, Victor. Oubliez d'encourager. Ah bah ça va, ils ont eu un goûter. Ah ouais, du Nutella. Eh bah ça va être beau, il va y avoir des moustaches après. Ouais, merci toi. Ah ouais. Monsieur Pezzoli, lui, il prend tout ce qui est gratuit. Allez, ma salle est Arthur. Allez, ils sont pas loin, remonte dessus là. Allez, attention au dernier tour. Un dernier tour, voilà qui sera. Allez, ça va être son combat sur les meilleurs. Allez, Max. Le peloton leader, voilà qui s'est. Voilà, sensiblement, voilà, amaigri. Est-ce qu'ils seront les meilleurs? On sait que pour l'instant, John Lamey, qui tient bien pour l'instant. Allez, remonte. Classement général provisoire. Alex Brévent, toujours second. Victor Sommier en troisième position. Classement provisoire. Allez, c'est parti pour le sprint. Et on garde bien sa ligne. Ah, ça va se disputer cette victoire. Joan, je laisse les arbitres. Voilà, on a le courage.